Bisette. Alors bon bah là je viens de terrasser un boss. Vous avez dû, si vous avez regardé la vidéo dernière, que je pensais beaucoup plus difficile que ça. Donc là on est toujours la veille du DLC. J'ai eu une grosse mise à jour d'ailleurs, sans doute pour le DLC. Et on est cette fois-ci sur un autre complètement l'opposé. Enfin l'opposé. Loin. On va dans la grotte des catacombes des eaux noires. Donc voilà, je suis rentré dans cette grotte, j'ai trouvé cette grotte. J'ai tué deux, trois espèces de bestioles comme ça, là, des espèces de gargouilles. Là-bas au fond, il y avait un mécanisme. Et là, on a continué. Hop, on passe par ici. M'a permis d'ouvrir cette grande porte et derrière il y a un boss. Donc attention, ici il y a des pièges quand ces erreurs de plaque là. Je vais vous montrer. Quand on marche dessus, hop, on se dépêche. Et voilà, il y a des flèches de flammes comme ça qui peuvent être méchantes. Alors qui sont méchantes pour nous et pour les ennemis aussi. Donc alors petite information, moi je fais le jeu comme ça. Et je vais découvrir le boss en même temps que vous. Je ne le connais pas. J'utilise pas de solution. Rien. C'est un petit peu en me baladant. Et hop. J'ai découvert d'ailleurs un beau masque de chat, je sais pas quoi, là, qui est pas mal pour les magiciens. Donc, ouais, parfois, comme la dernière fois, le boss est beaucoup plus facile que je le pensais. Et là, je sais pas sur quoi je vais tomber. Hop, on va voir tout de suite. Et ben voilà, le méchant. Déjà, c'est un chevalier. Donc ça va, il a du mal. Ah, oula. Ah. D'accord. Ah, j'ai pas d'endurance, hein. Pour l'instant, ça va. Il a pas l'air d'être bien costaud. Enfin, si costaud, mais pas très résistant. Là, il s'est énervé. Ah, là, ouais. Par contre, il m'a fait mal. Oula, 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 oula. Et plus de... Ah, j'ai plus de magie. Ouais, d'accord, c'est un berserker. C'est un dueliste du gardien du tombeau. D'accord, on va venir. Bon, je pense que dans deux ou trois magies, il est fichu. Faut pas qu'il me touche, c'est ça le problème. Prendre de risques comme j'ai pas mal de fioles. Voilà, je crois qu'il est fichu parce que là, bah pourquoi il a pas envoyé la magie? Ça va appuyer sur le bouton. Voilà, parce que je me trompe du bouton. Voilà. Ça n'a pas été si dur que ça. Donc j'ai gagné Chevalier banni, d'accord. Ok. Bon bah il était. C'est encore un boss assez facile. Et bah, ou alors c'est le DLC qui va arriver, qui rend tout facile. Allez les amis et les amisettes. J'ai découvert ce joli boss avec vous. Et on en découvrira d'autres encore ensemble. Je vous dis. À bientôt et à vous de jouer maintenant.